La façon suivante laquelle le Fort de Bamenjo dirige sa communauté. C'est pour ça que toutes ces catégories sociales viennent lui faire allégeance et lui marquer sa reconnaissance pour son amour, pour sa bravoure, pour sa détermination à défendre les intérêts, à protéger sa population. Voilà. C'est à tour de rôle. Là, c'est les élites Bamenjo qui viennent faire allégeance à leur fort. Jean Rameau, pour la préservation, la valorisation et la promotion du riche patrimoine artistique et de l'héritage traditionnel de Bamenjo sont louables, comme en témoigne le musée et la salle construite avec le soutien de l'UNESCO, que nous remercions à travers son représentant ici présent. Majesté, soyez-en félicités. La culture doit pouvoir promouvoir ses idéaux de paix, d'humanisme, de tolérance, de fraternité, de non-violence, chers à l'acte constitutif de l'UNESCO, dont le préambule déclare, je cite, « La guerre naissant dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il convient d'ériger les défenses pour la paix. » Fin de citation. La vie de Bamenjo, lorsqu'on a pleinement réussi sa vie, lorsqu'on a pleinement réussi sa vie active, familiale, eh bien au soir de sa vie, en quelque sorte, on prend la retraite en venant exécuter la danse de signe, n'est-ce pas, de la réussite pour exprimer sa joie, exprimer sa gaieté, rendre grâce à Dieu, rendre grâce à ses frères et sœurs pour tous les bienfaits de Dieu pendant sa vie terrestre. Dans la région.
grand bâton de commandement. Le défilé. On va commencer par la communauté Bamedjo de Yaoundé, suivi de la communauté Douala, la diaspora, France, Suisse, Angleterre, Belgique, États-Unis, Gabon, puis les Bamedjo du sud de Balmayo, les Bamedjo du nord, les Bamedjo de Konsama, etc., etc. Bref, que les différentes communautés s'apprêtent. Impressionné d'abord par le degré de mobilisation, ensuite par le degré d'organisation, le degré d'implication à la fois des populations, des élites et des autorités traditionnelles, administratives, politiques. Ceci est proprement encourageant dans la mesure où nous pensons que tout le monde doit faire de son credo le fait que la culture est le terreau de notre développement. Il n'y a pas de développement sans culture. Le développement ressemblerait à une simple uniformité si chacun ne faisait pas prévaloir sa singularité et sa richesse. L'édition de cette année a des spéciales. Pourquoi l'UNESCO? Nous voyons la présence de l'UNESCO. On voit votre présence là. On voit tout ce que l'UNESCO est en train de faire pour Bamedjo, pour le Cameroun en particulier. Besoin à la fois d'être identifié, énuméré, étiqueté et protégé. Un musée, comme vous le savez, n'est pas une galerie d'art. C'est un endroit où on préserve et on conserve des richesses patrimoniales. Donc, tout ce qui est périssable doit être conservé dans des conditions raisonnables. Ce qui est périssable et qui peut être digitalisé, numérisé, doit également l'être pour être catégorisé et répertorié dans des archives qui sont consultables. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire et j'espère que nous aurons les moyens de continuer à appuyer le musée royal.
danse était, Dieu était formé de certaines clans traditionnels qui les réunions secrètes qui siègent à la chefferie. Donc là où on était, il y avait environ au moins 5 réunions secrètes qu'on siégeait tous les 7 jours de la semaine à la chefferie. Nous appelons ça Dieu et ce ne sont que les reines et les grands notables qui peuvent danser. Que cette danse, quand on danse, fait cette danse, il n'y a pas de bruit, il y a la paix. Les gens maîtrisent, c'est comme si on chantait l'hymne national. Parce que quand on commence à chanter l'hymne national, il y a du silence, il y a du calme. On ne bouge pas, il y a la paix. Vraiment, je suis très contente de me retrouver aujourd'hui au milieu de la famille Bamidjou. Donc c'est la première fois de me retrouver au milieu de cette danse. Et vraiment, je suis très contente. Chacun a sa façon d'interpréter le rythme. Vous voyez, certains doivent faire ça. Vous avez vu, c'est comme ça que ça fait. Et les autres, ils ne font pas pareil. On se bat pour que le Chepan soit inscrit sur la liste des patrimoines immatériels. Et pour que le Chepan soit inscrit, il faut tout un protocole, comme vous-même vous le savez à l'UNESCO. Et avec Sa Majesté Sokoujou, nous on se bat pour que le Chepan soit inscrit sur la liste des patrimoines culturels immatériels.